Théo, je sors ce soir avec ton père. Sois sage pendant notre absence. Maman, je peux rester tout seul. Je n'ai pas besoin de babysitter. Vous ne sortez que pendant quelques heures. Je reste ici et je regarde la télé. Théo, nous en avons parlé des milliers de fois. Arrête tes caprices. Tu ne resteras pas seul à regarder la télévision. Pendant notre absence, le babysitter sera là et un point, c'est tout. Ok, mais je serai pas sympa avec lui. Bonsoir, entrez. Bon, on est un peu en retard. Faites comme chez vous. Théo est à l'étage. Mm-hmm. Bon courage. Ok, bonne soirée. Hein, quoi? Mon équipe joue, ils n'ont pas les chaînes de sport. Moi qui voulais regarder le match en direct, super. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Playmobil Future Planet. Pff, des jouets. Et si je jetais un coup d'œil? Ici Tom, pilote des E-Rangers. Je demande l'autorisation d'atterrir sur la base. Permission accordée. Ingénieur Jeff, allumez le projecteur. Projecteur allumé. Dépêche-toi, Tom. On a une réunion sur Future Planet dans 5 minutes. Encore une réunion? Mais pourquoi? J'ai un plan plus simple. Attaquons les Darksters et expulsons-les de notre planète. Oh non! Le vaisseau des Darksters! Notre espion a vu Tom revenir à la base des E-Rangers et il prépare une attaque contre nous. Préparez-vous. Départ dans 5 minutes. Darksters à l'attaque des E-Rangers. Darksters, notre but est de voler les cristaux d'énergie et de capturer pilote Tom. Nous deviendrons alors les maîtres de l'univers. Rapport. E-Rangers capturés. Et maintenant, prenons leurs cristaux d'énergie. On a gagné. Mais qu'est-ce que tu fais? Je teste ton jeu de Future Planet. Et tu veux jouer? Mais que diront mes parents? Je suis censée être au lit. Eh bien, si on dit rien? Ok, mais je suis les Darksters. D'accord. Tu es prêt? Prêt. Oh non! Allez, on recommence! Je vais prendre tes cristaux! Non, je prends les tiens! Mes parents reviennent! Regarde le désordre! Ils vont être furieux! Mais que s'est-il passé? Théo, tu devrais être au lit! Monte dans ta chambre! Quel désordre! Il y a des jouets partout! Je t'avais dit de n'ouvrir les boîtes que demain! Mais ce n'est pas moi! Théo, écoute ta mère! Dans ta chambre! Allez! Mais ce n'est pas moi! C'est le babysitter! Assez! On en reparlera demain! Oh!
Je suis désolé. Vous le laissez un peu sans surveillance et... il crée un désordre pareil. Non, monsieur, c'est vraiment pas la peine. On se retrouve la semaine prochaine ?